Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. En 1985, les chantiers Jeannot lançaient le Leader 850 et du même coup, une gamme dont le succès ne s'est jamais démenti depuis puisque 35 ans plus tard, 10 000 vedettes Express Leader naviguent sur tous les continents. C'était donc une bonne occasion de revenir sur la saga Leader qui a traversé finalement toutes les époques sans jamais renier son ADN. Et pour en parler, je reçois Martin Meyer. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane. Vous êtes le responsable de cette très belle marque. On va se remettre dans le contexte d'abord de 1985. Martin, vous lancez le Leader 850. Est-ce que vraiment à l'époque c'est une révolution ce bateau ? Ben, oui, on se remet dans le contexte. Une bateau avec un tout nouveau carène, ouais. Sportif, performant. Un aménagement en même temps familial, très familial pour une cruising en famille avec des amis. Donc, une combinaison avec des nouveaux éléments comme une banquette à l'arrière dans le cockpit qui se transforme en bain de soleil, ouais. Tout autour d'une table en tech, hein, des matériaux nobles, avec deux sièges de conducteur copilote pivotant enveloppés par une magnifique pare-brise avec des mains courantes intégrées, des panneaux ponts ouvrants, donc plein de innovation pour l'époque. Oui, et c'est la combinaison qui fait cette révolution. Mmh. C'est un succès immédiat du bateau, et principalement d'ailleurs en Méditerranée. Comment vous résumeriez finalement ce qu'est le concept Leader ? Alors, le concept Leader, on le voit déjà apparaître dans le 850. C'est de toute façon un bateau qui est d'abord une dayboat, ouais. Qui est avec un aménagement de cabin cruiser. Mmh. C'est cet amalgame qui fonctionne très bien, toujours avec un design très intemporel. Hein, les Leader Guard. Très élégant. Et puis, on a donc un bateau avec une très sécurisant. Très sécurisant, comme toutes les Jeannot. Les performances et les sécurités, c'est notre ADN. Mmh. Et donc, avec ces éléments-là, on a quand même un bateau à succès, une gamme à succès. Je disais en introduction, c'est un ADN qui n'a pas changé en 35 ans, mais il y a quand même certaines choses qui ont évolué. Oui, donc on gardait les meilleurs éléments, comme on a cité, mais évidemment, il y a une évolution. Pendant les années, on a changé l'architecte naval au fur et à mesure. Aujourd'hui, les bateaux récents sont dessinés par Michael Peters, célèbre architecte américain. Le design est fait par le studio italien Garoni Design. Mm-hmm. Donc, ça sont les évolutions naturelles dans la collaboration avec nos prestataires. Et évidemment, il y a une évolution dans la taille des bateaux. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, la gamme consiste de 5 bateaux, de 30 à 46 pieds. Hein. C'est 46 pieds, 46 pieds. C'est un magnifique bateau. Ils sont splendides. Il y a des éléments modulables aujourd'hui ? C'est ça. Ouais. Donc, ce qu'on cherche toujours dans le développement des produits et écouter les clients et puis notamment le Leader 33 et 36, ils ont des intérieurs modulables avec des portes à galandage, donc on a vraiment un aménagement qui s'adapte aux besoins du client. Finalement, vous êtes, c'était en fait l'évolution sans la révolution, quoi, pour résumer, en fait, c'était un peu ça. Ouais. C'est ça, ouais, on n'a pas fait... Finalement, comment vous êtes adapté aux nouvelles tendances qui apparaissaient dans la plaisance ? Les nouvelles tendances, comme vous savez, ils sont en perpétuel changement, évolution. Donc nous, on est toujours à l'écoute des clients. Et donc, on change des aménagements intérieurs, les layouts, des essences de bois, des matériaux, l'équipement électronique qui change, donc ils sont adaptés. Les fenêtres. Des fenêtres plus en plus grandes, évidemment, des matières plus nobles. Donc... cette évolution des tout naturels qui se poursuit pendant les années. Je crois qu'on parle de ce Leader 36 très particulier aussi là. C'est ça. Donc ça, c'est typiquement une évolution. On a le Leader 36 avec un grand bain de soleil à l'arrière fixe. Et on a rajouté tout récemment le Leader 36 version cockpit lounge. Mmh. Fantastique bateau. Ouais. Ah ben tiens, fantastique bateau justement. On va le regarder tout de suite en image. Regardez. Bonjour et bienvenue à La Rochelle pour vous présenter la nouvelle version du Leader 36, un bateau que vous connaissez déjà, vous avez déjà sûrement vu les visites vidéo de ce modèle. Cette fois, le Leader 36 propose une nouvelle version d'aménagement avec un nouveau plan de pont et, comme vous pouvez le constater, une nouvelle décoration de coque particulièrement élégante qui rend votre Leader 36 reconnaissable au premier coup d'œil. Vous l'aurez sûrement constaté,
La gamme Leader évolue d'année en année. Cette année, l'ensemble des modèles Leader dispose d'une nouvelle offre de bois optionnelle. Aux côtés du noyer, nous vous proposons cette fois une offre particulièrement attrayante et moderne avec un bois clair avec du chêne clair. Mais ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est cette nouvelle version Cockpit Lounge du Leader 36. Elle vient en complément de l'offre classique du Leader 36, à savoir la version avec un bain de soleil arrière permanent. Cette nouvelle version Cockpit Lounge donne priorité à l'espace de vie. On a donné un salon de cockpit aussi grand que possible pour recevoir un maximum de convives. Et bien entendu, vous allez pouvoir quand même transformer la partie arrière en un bain de soleil avec une solution très simple qui consiste à abaisser le dossier arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez également basculer ce dossier latéral et vous pouvez encore agrandir cette zone bain de soleil en faisant coulisser le caisson ici et en venant rajouter un coussin supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, l'intérêt de cette formule, c'est de pouvoir disposer d'un grand bain de soleil arrière compatible avec l'utilisation de la table lorsqu'on en est en famille et surtout d'avoir une mise en place très simple pour pouvoir optimiser l'espace de vie disponible. En un clin d'œil, on transforme. Voilà, on parlait de l'ADN de Leader. Alors, l'innovation, ça, c'est vraiment au cœur de l'ADN. Là, on le voit encore avec cette innovation sur ce cockpit lounge. Oui. Incroyable. Le cockpit lounge fonctionne super bien. Les gens sont bluffés quand ils voient les dépliements. Ouais. C'est un grand plaisir de le présenter à chaque fois. Ces changements, ces évolutions dans la gamme, finalement, c'est la résultante de l'écoute des clients? Oui, absolument. Ouais. On a, chez Jeannot, une culture très poussée d'être à l'écoute des concessionnaires et de nos clients. Mmh. Et donc, en équipe produit, on est sur tous les salons principaux. Mmh. Et là, on a à disposition dans une ambiance décontractée, tous les bateaux, les clients. Et c'est là où on a le retour des clients, on discute. Et puis, c'est dans des environnements comme ça où on prépare nos millésimes, la liste des millésimes pour l'année prochaine. Donc, on est vraiment à l'écoute des clients. Alors, on parlait des clients. Ben justement, tiens, on va retrouver un couple de clients qui est très attaché d'ailleurs à la marque Leader. Ils sont avec nous, monsieur et madame Musset. On va voir s'ils sont en duplex avec nous, si tout va bien. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Quand est-ce que vous avez acheté votre premier Leader? Lors d'un salon nautique à Paris en décembre 2009. Et nous avons reçu notre Leader 10 en juin 2010. Et pour la petite anecdote, nous étions chez des amis à l'été 2009. Ils ont un appartement qui est juste à la sortie du port Olona, au Sable d'Olonne. Et Jeannot faisait des essais de la nouvelle gamme Leader. Et j'ai découvert ce bateau avec ce toit souple. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Je me suis renseigné par la suite, puisqu'il n'était pas encore commercialisé. Il n'y a aucune diffusion sur ce type de produit. Et vraiment, on a flashé. Tu avais lu aussi sur Motorboat ton journal préféré. Des petites anecdotes qui allaient avoir un nouveau Leader, mais il ne disait pas. Non, il ne précisait pas. Et quand tu l'as vu arriver dans le chenal, et tu as dit, je suis sûr que c'est celui-ci. Qu'est-ce qui motive finalement principalement votre choix à l'époque? Eh bien, on avait précédemment un bateau qui était un four-winds, donc qui était un bateau ouvert, assez haut sur l'eau, donc dans une mer comme l'Atlantique, pas forcément confortable en tant que navire. Là, on cherchait plus de confort. On cherchait à avoir une mixité dans le bateau avec un bateau très ouvert, avec sa toile de toit ouvrant très grande, et puis à la fois un bateau qui puisse se fermer quand la mer était mauvaise. Donc, ça nous permettait d'avoir un compromis global très intéressant. Intéressant aussi au niveau des espaces de vie, aussi bien carré intérieur, carré extérieur. Et puis, un design aussi assez sympa et une belle réussite aussi pour ce Leader qui venait de sortir. Mais vous avez changé de modèle, je crois, depuis. Oui, en 2016. On a reçu le bateau, le Leader 40, en 2016. Oui, en mai 2016, on est passé sur un Leader 40.
Et là, c'est bon, plus grand, un peu plus gros, avec des choses qui étaient complémentaires de ce qu'on avait déjà, un toit ouvrant rigide, une cabine, un carré intérieur plus grand, un petit cabinet de toilette, mais dédié vraiment à la douche, qu'on n'avait pas sur le Leader 10, une cuisine qui ressemblait à la nôtre. Oui, oui, on se retrouvait chez nous. Et puis un carré extérieur qui était quand même relativement grand, très convivial. Ça nous permet de recevoir jusqu'à 8 amis. Je peux vous dire qu'on s'est fait des plateaux de fruits de mer autour de cette table. Donc, c'était formidable. Et puis, avec le dosseret basculant qui permet d'avoir un bain de soleil quand on a envie de farnienter. Racontez-nous un peu quel usage vous faites de votre bateau. Alors, on sort à la journée, beaucoup au week-end. On a la chance de notre port d'attache étant Saint-Gilles, d'avoir en face l'Île-Dieu. Donc, c'est aussi super sympa d'aller juste passer une nuit, enfin deux jours à l'Île-Dieu. Les week-ends et les semaines de vacances, donc entre 3 et 4 semaines de vacances en navigation, en fonction de la météo, on va où la météo est le plus propice pour nous. Et donc, voilà, aussi, on a fait aussi en fonction des ports, pour les découvertes de gens qu'on rencontrait au fil des ans. Avec de belles découvertes, avec toujours. Avec de belles découvertes, Racontez-nous, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous appréciez le plus, finalement, dans votre Leader aujourd'hui? L'ensemble des espaces de convivialité. Comme je le disais précédemment, à la fois un carré extérieur vraiment modulable, et ça, c'est vraiment appréciable, hein, puisque dans un même volume, on crée deux configurations différentes. Hein, c'est très sympa. Ce toit ouvrant qui est quand même relativement grand, hein, un espace très lumineux. Quand on descend, donc la cabine intérieure avec des boiseries, vraiment, ils ont fait des choix de bois qui sont vraiment très, très sympas et très qualitatifs. Une cuisine, comme tu le disais tout à l'heure, qui ressemble un peu à la nôtre, hein, donc que l'on a dans notre maison. Et puis ce cabinet de toilette avec la douche séparée, vraiment c'est un confort. Quand on prend une douche, c'est vrai que c'est quand même plus confortable d'avoir une douche séparée que d'avoir une douche qui est mixée avec le lavabo et le toilette. Aussi, tu ne parles pas de la chose première d'un bateau, la navigation. Oui, alors le confort bien entendu de navigation, hein, une carène qui est vraiment de qualité, hein, puisqu'on a été amené à naviguer dans des mers un peu formées, hein, même très formées. Très formées. Et on est toujours rentré à bon port, donc ça c'est quand même l'essentiel. Et on se sent vraiment en sécurité, c'est vraiment un bateau où, autant le premier, pas du tout, on ne l'a pas gardé longtemps, hein, 2 ans, et le deuxième, enfin le premier Leader, on l'a gardé 4 ans, et franchement celui-ci… On n'a pas envie d'en changer, c'est non, pas bien. Pas tout ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. Merci. Martin Meyer, alors, est-ce qu'il y a meilleur porte-parole de Leader que M. Madame Musset? Alors, je ne pense pas. C'est magnifique. Il y a une petite anecdote qu'ils n'ont peut-être pas encore évoquée. Ils ont récemment nous prêté leur Leader pour faire quelques essais techniques. Ouais, d'accord. Encore, merci beaucoup. C'est intéressant ce qu'il disait à la fin, et la question de Mme Musset à son mari qui l'interpelle sur les qualités de navigation du bateau, parce qu'on n'a pas parlé de son comportement marin aussi, enfin les comportements marins des leaders. Comme on a entendu tout à l'heure de M. Musset, donc une carène qui se résume en quelques mots, elle est performante, puissante et avec vivacité, et en même temps… Quelle que soit la mer, hein. Pardon. Quel que soit le type de mer. Quel que soit l'état de mer, elle est vraiment adaptée à tout l'état de mer. Et puis en même temps, elle est économique et stable. Et récemment, régulièrement, on fait des essais avec la presse. Mmh. Et régulièrement, on a des retours très positifs sur toute la gamme, toutes les tailles des bateaux, sur le comportement, même dans les situations extrêmes. Donc on est très content. Ouais. C'est des bateaux qui sont puissants, vivaces. Et en même temps très confortable, quoi, finalement, très stable. C'est ça, ouais. C'est ça l'ADN Jeannot. Ouais. Depuis mai 2019, il y a aussi de la nouveauté côté moteur, hein. C'est pas négligeable, évidemment. Oui, donc Volvo, ils ont fait un superbe travail, ouais. Notamment sur le D4 et D6. Les moteurs étaient refaits de fond en comble, 90% des pièces changées.
Et donc, il y a des éléments nouveaux comme embrayage hydraulique. Donc, vous connaissez peut-être le bruit que ça fait au joystick avant. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est magnifique. Ah, c'est puissant. Ils ont changé l'intervalle de service. Donc, tout est harmonisé. On a plus de puissance. Donc, direction électrique. Direction électrique, très important. Parce que maintenant, on peut rajouter un joystick plus tard, sans problème. Et donc, tout ça avec l'idée en tête de réduire le frais pour le propriétaire. Oui, parce que les moteurs sont performants toujours, mais demandent moins d'entretien, c'est ça ? L'entretien est harmonisé et plus efficace. Hein. Donc, au final, on va une fois au chantier pour les réparations au lieu de plusieurs fois. Une dernière question, Martin. Comment est-ce qu'on peut imaginer l'évolution de la gamme Leader dans les années qui viennent ? Vous y réfléchissez forcément déjà. Oui. Parce que vous écoutez vos clients, comme vous avez dit tout à l'heure. La gamme Leader, elle restera en perpétuelle évolution selon le souhait des clients, les retours des concessionnaires. Ça, c'est clair. On s'adapte aux nouvelles tendances d'utilisation. Mais en même temps, ça restera toujours fidèle à son ADN et toujours leader du marché. Merci beaucoup, Martin, à la gamme Leader, donc avec 5 modèles de 30 à 46 pieds. Merci d'avoir évoqué avec nous cette gamme qui a donc désormais 35 ans. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.